ne va sans dire. Que la vie de tous les jours n'est pas facile. Nous sommes dans un monde où on s'attache aux choses qu'on aime parce que ce qu'on aime nous réconforte. Ce qu'on aime nous donne du plaisir. Ce qu'on aime nous sort de notre train-train quotidien. Ce qu'on aime nous donne un sens à la vie. Et on s'y attache. Parce que s'attacher à ça, c'est notre sauvegarde, notre bouée de sauvetage. Autrement, on n'a rien. Absolument rien. Tout est libre. La vie, c'est ce qui reste. La vie comme elle est. Pas la vie qu'on aimerait, mais la vie. La vie qu'on aimerait, c'est ce à quoi on s'attache. C'est pourquoi nous sommes à l'affût des choses qui nous attirent, qui nous donnent, qui nous apportent quelque chose. Et posons-nous la question, est-ce que nous faisons les choses par amour ou par intérêt ? Si tu aimes par amour, il n'y a pas d'attache. Parce que l'amour donne la liberté à tout. L'amour aime, c'est tout. Il n'attend rien, il ne demande rien. Il n'est pas accroché à qui que ce soit sur cette planète. Et cette émergence de toi, cet amour que tu manifestes, si elle attend quelque chose, elle va s'estomper. Parce que quand il y a de l'attente, il n'y a plus l'émergence de cet amour. L'amour cesse pour attendre que quelque chose soit rendu. Donc, il y a de la souffrance de ne pas savoir, de ne pas être vide, c'est la souffrance, et on ne veut pas passer à travers ça. Pourtant, la relation humaine, elle n'est faite que de ça, de souffrance, puisque nous nous attachons et nous nous accrochons à ce qui est en fait notre désir d'être, notre désir de vivre. Et dans la chose que nous nous sommes attachés, et donc ta joie en fait dépend d'une situation, dépend de quelque chose. Et quand ta joie dépend de quelqu'un, ce n'est pas la vraie joie, c'est du plaisir que tu as. C'est du plaisir que tu cherches à mettre en place. Mais la joie, la joie d'être libre dans une relation, c'est d'accepter aussi ce qui n'est pas à ton goût, sans que ça ne te fasse du mal,
parce que tu ne t'accroches pas. Bien sûr, être attentif, avoir de la bienveillance, mais sans que tu ne sois impacté par la situation. Parce que si la situation t'impacte, c'est que il y a de la peur. La peur de perdre, la peur de ne plus avoir ce sentiment de réconfort que l'autre pourvoit. Ou que l'autre, que tu espères que l'autre donnera. Donc tu restes dans l'espoir. Et c'est là toute la difficulté des relations. Pourquoi croyons-nous que dans ce monde, il y a une grande difficulté à garder l'homme ou la femme qu'on aime? Il y a des divorces, il y a des choses qui arrivent qui font que tout se démolit. C'est parce que tout simplement, l'histoire qu'on s'est racontée à soi-même est fausse. L'histoire du prince charmant qui viendra te donner toute la lumière, toute la vie, toute la beauté, la gaieté que tu attends, n'existe pas. Cela n'existe que dans ta tête. Quand ta tête fait tout ce remue-ménage pour attendre, pour espérer, eh bien, il est dans la dépendance. Il dépend de quelque chose. Alors que ce que tu es, ta joie, qui n'appartient qu'à toi, et que tu puises tout au fond de toi-même, c'est celle-là qui te rend vraiment heureux. C'est celle-là qui fait que tu es libre, mais alors libre de toute tracasserie qui peut arriver sur cette planète. Et tu le sais aussi bien que moi, des tracasseries sur cette planète, il y en a. Et nous en faisons des plats à n'en plus finir. Les drames que nous avons, nous les cultivons, nous les rabâchons, nous les crions en haut sur les toits. Mon drame, ma souffrance. C'est parce que on est attaché à un résultat. Et qui veut ce résultat, ce n'est pas ta personne authentique, ce n'est pas le vrai toi, c'est toute l'imagination que tu te fais qui a créé un centre d'intérêt. Et ce centre d'intérêt, ce sont toutes tes mémoires que tu as eues sur le vécu que tu as eu, et ces mémoires et dans la demande de la répétition, la demande de ne pas perdre ce qui a été beau. Donc on est dans l'existence, et dans cette existence nous réagissons avec ce que nous avons vécu, et pour nous c'est devenu tellement important le passé. Tout ce que nous avons vécu, nous le rabâchons, nous le répétons. Parce que nous avons gardé des repères pour pouvoir les répéter. Nous avons gardé des références. Et quand nous vivons la vie présente, nous allons chercher dans notre référence comment cette vie, comment le moment présent devrait exister. Mais toutes ces références nous font répéter des choses. Et cette répétition est mécanique. Elle ne vient pas de ton cœur. Elle vient de la mémoire de ce que tu as vécu. C'est pour ça que toutes ces mémoires, la mémoire du plaisir, la mémoire de la joie que tu as vécue hier, ne peut jamais être restituée. Elle sera à chaque instant une nouvelle chose que tu dois découvrir
dans l'instant où tu respires. Mais si tu restes sur la respiration d'hier, tu auras des problèmes. Parce que tu vas t'asphyxier. Parce que c'est déjà consommé. La joie que tu as eue a déjà été consommée. Donc, la question est là. Peut-on se débarrasser de nos mémoires d'hier, de nos drames d'hier, de nos joies d'hier, et d'accepter chaque moment de la vie comme étant neuf et sans qu'il y ait quelqu'un qui soit impacté par ces événements. Peut-on regarder l'événement comme si on était un témoin de sa propre existence, sans se laisser embobiner par l'événement? C'est un art. C'est l'art de vivre sans se faire avoir par tout ce qu'on a vécu avant, sans prendre référence, sans être impacté par ce que l'on n'est pas, par ce qui s'est passé hier. On dit toujours que le moment présent est la chose probablement la plus difficile à faire exister. Parce que nous sommes tout le temps dans nos têtes. Nous sommes tout le temps en train de broyer quelque chose que l'on aimerait faire arriver. Ou qu'on a aimé. Donc, on est tout le temps dans notre tête partie du moment présent. On est parti dans le temps d'hier et le temps de demain, qui maintenant, dans l'état présent, là, n'existe pas. Donc, une personne que tu aimes et que tu as peur de perdre, le mouvement de cette situation en toi, tout ce mouvement de ta pensée, c'est que tu remémores ce que tu as peur de perdre. Parce que tu es attaché à ce que tu as pu acquérir pour avoir un peu de gaieté dans ta vie monotone et morose. Alors, si tu abandonnes tout ça, et que tu prends la joie qu'il y a maintenant à vivre ce moment, en acceptant que la vie fera de toi, fera pour toi, à chaque instant, la merveille que tu as besoin. Alors, tu seras libre, libre d'être joyeuse, tout le temps, sans compter sur personne pour avoir cette joie, parce que cette joie t'appartient, elle est en toi, et tu es toi-même la joie d'être toi-même, d'instant en instant, sans compter sur la joie que quelqu'un pourrait te donner. La joie ne vient pas de l'autre, la joie vient de soi, depuis l'intérieur, quand on est libre de toute attache. La joie vient quand il n'y a plus de tracasserie. Quelqu'un qui a peur de perdre, comment peut-il être joyeux? Quelqu'un qui vit une expérience dramatique et qui s'attache à ce drame, comment peut-il être joyeux? Il ne peut jamais avoir ce moment de joie pour être libre. Parce que quand tu es libre, c'est ce qui se passe. Libre de toutes tes tracasseries, et bien il y a ta joie. Et cette joie, tu dois pouvoir comprendre que l'attachement crée la tracasserie et la tracasserie crée
les moments de peine, de souffrance. Et dans ces moments de souffrance, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui peut aimer. Tu ne peux pas aimer. Tu ne peux que être celui qui demande d'être aimé à ce moment-là. Or, ce que tu es au plus profond de toi, ce que tu es dans ton essence, c'est de l'amour. Et l'amour est toujours en train de donner. Et jamais n'attend rien de personne, d'aucune situation. Il aime parce qu'il ne juge pas, parce qu'il ne compare pas, parce qu'il ne demande rien. Il n'y a pas de centre d'intérêt dans l'amour. L'amour n'a pas d'intérêt. L'amour donne. L'intérêt que tu puisses être joyeuse ou joyeux par ce que quelqu'un te propose n'existe pas. L'amour n'a pas d'intérêt. Elle est libre, libre de toute demande que le centre d'intérêt, l'égocentrique qui est en soi, le mouvement qui est en demande, il est libre. Cet amour est libre de tout ça. Elle aime. Et sur son visage, celui qui aime, il y a la joie. Et cette joie est une aubaine pour tous ceux qui t'entourent. Mais quand tu arrives devant quelqu'un et que tu n'as pas cette joie, alors tu es un fardeau pour l'humanité. Et pourrions-nous faire en sorte que nous soyons les amis de l'humanité et non pas ennemis de l'humanité? Parce que celui qui est l'humanité, c'est toi. Et si tu es ennemi de toi-même parce que tu n'es pas en train de vivre la joie, alors on n'a pas besoin de chercher très loin où est l'ennemi. L'ennemi, c'est soi-même. On est ennemi de soi-même à cause de nos attachements, de nos peurs, de nos angoisses, qui attend une solution pour être joyeux, pour être gai. Mais cela n'existe pas. C'est un rêve que nous vivons. Et le rêve que nous vivons, c'est une illusion. Ce sont des histoires que l'on se raconte. Parce que nous ne savons pas être ce que nous sommes. Nous sommes l'amour, la joie, la paix. Mais ce que nous aimerions être, c'est avoir, c'est être dans le plaisir, dans la zone de confort, dans la sécurité que l'autre propose. Et cette sécurité, ce plaisir, est éphémère, ne dépend de personne pour avoir la joie de vivre. C'est toute une méditation, parce que nous sommes tellement habitués à vouloir prendre, à vouloir que quelque chose nous arrive. Alors, c'est devenu complexe. L'amour est devenu complexe. L'amour est devenu quelque chose qui se prend. L'amour est devenu une rivalité. L'amour est devenu un problème dans ce monde. Parce qu'on dit « je t'aime, mais je t'aime à condition que... » Alors que l'amour, le vrai, ce que tu es, n'a pas de condition. Il donne sans jamais, jamais, jamais rien demander à qui que ce soit, parce qu'il n'a pas peur de perdre. Il ne demande rien parce qu'il est lui-même cet amour, cette joie.
L'amour vient de soi et non de quelqu'un.